One, two, three, four! L'équipe de Cuvaillon Tour poursuit sa route à la découverte donc des plus beaux paysages viticoles suisses. Aujourd'hui, on vous présente le Vuilly, région réputée pour trois choses. Ouais, c'est vrai, le lac de Morat, ses super paysages, le délicieux gâteau de Vuilly. Et donc évidemment, les vins, c'est ce qui nous intéresse. Pour vous présenter la région, c'est Marie-Hélène et Louis du Château de Prat. Hey nos vignerons! Alors comme j'ai compris, vous avez séparé le terrain de jeu. C'est Marie-Hélène à la cave à la production des vins et Louis dans le vignoble, c'est ça? C'est juste. Et je crois que tu voulais montrer les tramineurs à Misky Wine. Exactement. Allez, c'est parti. Et nous, on s'occupe. Tu me présentes la cave? Oui, allons-y. Alors c'est vraiment une superbe bâtisse. Elle date de quelle époque? Elle a été construite il y a presque 500 ans en tant que cave. D'accord. Par deux familles patriciennes. Ouais, donc ça a toujours été une cave, mais pourquoi on appelle le château de Prat? Alors, parce que c'est justement un bâtiment historique. Ouais. Et mon grand-père a fait officialiser ce nom. D'accord. Et comme c'est un château, ouais, on a la clé du château pour ouvrir la cave. Allez, on y va. Alors, on est donc dans la cave, ton terrain de jeu. Comment se décline la gamme des vins? En tout, on a 11 vins différents et 8 sont blancs. Des vins blancs. Et la particularité de notre domaine, c'est de produire des monocépages. Marie-Hélène nous parle de monocépages, mais c'est quoi concrètement? Alors, c'est simple. Contrairement à l'assemblage, la vinification d'un monocépage, c'est se concentrer sur une seule variété de raisin. Il y a une raison pour ça, les monocépages? Oui, parce que ça nous permet de mettre en avant les caractéristiques de chaque millésime. Chaque millésime. Et ouais, pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, on a défini des pictogrammes pour décrire chaque vin en fonction du millésime. Ouais. Alors moi, je dois vraiment dire, j'adore le travail qui a été réalisé. Tu me parles de litchi, tu me parles de jasmin. Je suis vraiment dans l'univers du tramineur. Vous l'avez décrit à travers une belle charte graphique. C'est vraiment du bon travail. On s'y retrouve, on sait où on est, une belle ambiance. Bien joué. Hey, les voilà, en pleine action. Et concrètement, vous faites quoi? On sélectionne les plus beaux rameaux afin que chaque cep de vigne produise naturellement 6 à 8 grappes. Donc ça, c'est une vigne de Pinot Gris, une des nombreuses spécialités de la région. Mais Louis, comment ces spécialités sont arrivées au Vuilly? Effectivement, on se trouve dans une parcelle de Pinot Gris, une des plus vieilles du domaine. Et c'est Louis Chervel, le grand-oncle de Marie-Hélène, qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été chercher le Pinot Gris, le Traminer, le Freiburger, au sud de l'Allemagne et en Alsace. Mais alors, on parle de Traminer? C'est quoi? C'est une abréviation parce que le nom complet du cépage, c'était trop compliqué pour prononcer. Ah, c'est le Gewürztraminer. Ah, alors tu parles de l'Alsace. C'est juste, mais moi, je note des similitudes ici avec la région. C'est juste. Hein. Premièrement, c'est une région bilingue. On parle le français et l'allemand. Ouais. Et deuxièmement, une grande région touristique. On a effectivement un caveau de dégustation où on accueille beaucoup des groupes. Tour, le détour, personnage incontournable du lac de Morat, c'est Pierre Cher, le pêcheur. Lui le seul, capable de pouvoir admirer le vignoble alors que les vignerons admirent le lac. Petite pêche miraculeuse qui nous attend, on lève les filets. Oh, oh, c'est du bon. Santé. Santé. Et n'oubliez pas, l'abus de santé est dangereux pour le vin. Portez-vous bien.